Salut Damien, comment tu vas? Et toi, Léo? Voilà, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nofollow et tout follow. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition de ce que c'est et on parlera d'autres sujets après. Vas-y. Ce sont des consignes qui sont attribuées à des liens présents sur la page de ton site qui permettent de dire au robot des moteurs de recherche, ne suis ou ne suis pas ce lien. Et grâce à ça, on peut orienter les robots. Pouvoir faire du maillage de liens, sculpter ce maillage de liens à l'intérieur de ta page ou de ton site. Donc c'est ça. Donc quand on a un site internet, on place des liens et on peut choisir de les mettre en nofollow ou dofollow pour dire à Google suis ou suis pas tel lien. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc soit on ne met rien, par défaut ils sont dofollow, soit on place une balise nofollow dans tes liens et ça permet d'indiquer au robot ne va pas sur cette page et ça permet de garder le robot du moteur sur ta page et de passer au contenu suivant. Parce que ton robot, dans une démarche de surfeur aléatoire, va dans n'importe quelle direction et va de page en page via ses liens. Je répète, hein, les liens, ce sont les sangs du web, c'est le sang du référencement. Et si tu brides l'accès à tel ou tel lien, et bien, tu concentres l'effort de visite sur les pages que tu, toi, t'as jugé le plus essentiel, plutôt que de le faire balader sur des pages type mention légale ou livraison, que en soi, qui ne sont pas stratégiques pour ton SEO. Donc voilà, donc là ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux en fait mettre pour tous les mentions légales des liens nofollow pour dire à Google voilà, t'embête pas à aller voir ces pages, et des liens dofollow pour les autres pour dire elles seront peut-être plus intéressantes parce que Google pourra aller les voir et scroll en fait le site et tomber sur du contenu pertinent. C'est ce que tu es en C'est train de ça. dire. Donc ça, c'est l'idée. Après, il faut savoir, petite précision très importante, que Google désormais s'en fiche de cette balise nofollow. T'envoies Donc, une bombe là. ouais. Donc, comment réagir face à ça? Déjà, tu as d'autres moteurs de recherche que Google. Et puis en soi, c'est déjà une indication que tu donnes à Google du type nofollow. Eh bien, même si tu ne lui dis pas nofollow, il va ne pas donner le jus de ta page, une partie de ce jus, à la page liée via ton lien. Donc, c'est quand même un minimum positif que de placer un nofollow et de faire ce qu'on appelle du page rank sculpting, donc la sculpture de liens sur ta page via cette balise-là. Donc, peut-être la question que tu vas me poser après, c'est comment on fait pour placer cette balise nofollow? Et là, Eh t'as bien, vu dans la juste. structure de, voilà, dans la structure de ton lien, tu vas rajouter règle égale nofollow. Donc, c'est un tout petit bout de code dans ton lien, dans ton code, et ça vient bloquer le passage des robots de Google. Si toutefois tu passes par un CMS, type par exemple WordPress ou Shopify, quand tu insères des liens, parfois tu peux cocher une case qui te dit rajouter une balise supplémentaire ou mettre ce lien en nofollow et ça active le lien directement en nofollow. Et c'est bon, ta balise nofollow est en place. D'accord. Voilà, on Donc pourra là, mettre donc. le code en description de la vidéo sans problème. Ouais, bien sûr. Si tu le mets, il aura l'indication. Il va en tenir légèrement compte, mais c'est tout. Sinon, il y a une autre technique plus puissante et plus, on va dire, plus black hat. C'est ce qu'on appelle l'obfuscation de liens. Obfuscation, donc là, au Scrabble, c'est bon, tu as gagné 10 points. Et ça permet quoi? Ça permet de changer la structure de ton lien, de le remplacer par une structure dite en JavaScript, via un langage spécifique. Et là, Google, on lui accorde pas assez de poids, de puissance pour aller au-delà de ces structures de liens-là. Donc, en gros, c'est comme Ok. un lien. Pour l'internaute, ça sera fonctionnel, mais pour Google, Ça sera pas fonctionnel. il va pas faire l'effort d'aller plus loin que ce truc-là. Et Donc tu là, lui as pour posé une ça, barrière. voilà, donc tu lui poses une vraie barrière technologique. Et là, soit tu as des générateurs d'obfuscation de liens, soit tu poses des plugins qui obfusquent le lien que tu veux. Et pareil, on mettra le mot obfuscation en description, parce que je suis pas sûr que tout le monde retienne bien ce terme. Et une fois qu'on l'a appris, ça va tout seul. Voilà, donc on mettra le code justement de nofollow et l'obfuscation pour voilà, que vous puissiez aussi un petit peu approfondir le sujet. Voilà. La vraie question, c'est, et du coup, est-ce que c'est légal d'un point de vue Google? Oui, Est-ce bien que sûr. c'est Ouais. propre par rapport aux consignes de Google? Google n'aime pas ça. L'obfuscation, c'est une technique pour le tromper. Après, ça fonctionne. Donc il vaut mieux utiliser d'autres techniques en fait. C'est plus rapide, plus simple. Le nofollow, c'est une pratique légitime.
tu as le droit de faire ça. Et sachez que l'obfuscation, c'est pas tout rose. C'est pas tout rose, c'est contraire aux guidelines, aux consignes de préconisées par Google. Ouais. Bien sûr, ouais. Concrètement, voilà, faites gaffe à ça, faites gaffe à la répétition des liens internes. Voilà, les liens, ce sont vraiment le sang de votre site web. Et travailler cet aspect-là comme le lait sur le feu, surveiller votre netlinking automatique et celui que vous allez faire à la main. Et grâce à ça, bien, votre netlinking sera plus cohérent. Et le PageRank Sculpting fait partie des mesures cohérentes à appliquer rapidement et qui sont assez efficaces. D'accord. Donc en conclusion, en fait, un lien dofollow, c'est quand tu dis à Google, va voir cette page. Nofollow, c'est pour dire à Google, ne va pas voir cette page. Sauf qu'aujourd'hui, Google le prend de moins en moins en compte. Ça permet juste de dire, voilà, cette page-là pourrait pas être intéressante, mais Google y va quand même. Tu as donné une nouvelle technique, un petit peu black, pour mettre une barrière à Google directement, qu'on mettra le nom, le mot en description, pour les gens qui veulent justement approfondir le sujet. Et sinon, toi, l'astuce, c'est de donner le moins d'importance aux pages qui ne sont pas forcément importantes pour le site. Et d'éviter de... Au moins, tu prends pas de risque. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment, vraiment donner le minimum d'importance et de vraiment mettre les pages qui sont importantes, qui répondent à ce que vous proposez, à ce que vous voulez montrer aux internautes, mettre des liens entrants, faites en sorte que Google aille plus voir ces pages-là en faisant un travail de maillage et arrêter de mettre une collection légale ou mention légale parce que j'ai déjà vu ça et ça pique les yeux. Donc voilà, bah écoute, merci Damien pour ces réponses hyper qualitatives, merci encore. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on va parler d'un nouveau sujet SEO comme d'habitude. En bas dans la description, il y a le lien de la formation et il y a nos deux Twitter, n'hésitez pas à aller faire un tour, nous poser des questions. Vous aurez également à vous abonner et également vous aurez le code pour le nofollow et le dofollow et le mot l'obfuscation pour si vous voulez approfondir le sujet. Damien, je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.